Bonjour, bonjour. Alors, j'ai une petite météo d'usine, de l'actif préféré des Français. On est à 26 dollars. Pas mal, pas mal. On se stabilise apparemment. Je vais le mettre en grand. Alors, on est le premier lundi du mois, du coup, on va faire aussi une analyse simultanée sur Vetio X, Vetio Exchange. Alors, on va remettre ça tout grand. Alors, va, si on se reportait une année antérieure, on avait un espoir de 17 dollars en fin d'année. Là, il n'y a plus d'espoir. Regardez-moi, dégringolade totale. Alors, on est en délit. Est-ce qu'on peut avoir une année de zine en glissant? Octobre. Ah, bon, on a pile poil. Enfin, c'est bizarre. Ah non, j'ai dit c'est bizarre, on a beaucoup de cotations, mais on est sur Probit. On va aller sur l'autre exchange. Alors regardez-moi ça. Ça consolide ou pas? Ça travaille. Donc toujours les volumes aussi fournis. On est à combien? On est à combien? 131? Ah mais ça, attendez, on est bien. Ah oui, ça c'était hier. On a un petit journée de décalage lorsqu'on se met en journalier, ok, pas de souci. Et si on va sur l'exchange, alors oui, ce qui est, j'avais pas noté, mais sur cet exchange il y a que 1, 2, 3, 4, 5 actifs. Donc on a bien sûr le BTC, le TH, le BTC qui se porte à merveille, le TH aussi, 3003. Alors après, ils ont foutu leur Zine, leur Bouquet et leur Afrix. Et bientôt le Ziri. Alors, date pour le Ziri indéterminée, apparemment, c'est pas dans les tuyaux. Mais attendez, c'est bizarre, il n'y a que ça comme actif. Ils ont un BNB. Il n'y a même pas de BNB. C'est quoi le troisième actif? Ah, un petit ADA, si on veut trader l'ADA. Oui, non, mais c'est vraiment la misère. Cinq actifs. Dont la majorité, c'est le leur. C'est quand même dingue cette histoire. Wow. Bah, attendez, on va se mettre quand même celui qui nous intéresse quand même. Wow. Il fait pas bon de trader sur l'exchange. Ah, est-ce qu'il y a des volumes? C'est même pas. Regardez-moi ça. C'est même pas s'il y a des volumes. Non, mais c'est dingue. Bon, allez, on va aller sur l'autre plateforme. Bon. Mon avis, que ça donne. Ah, ça vivote. Est-ce qu'on peut avoir un petit triangle de compression? Le fameux. Je sais pas. Oh, quoi que ça coïncide bien. On a deux. Ça touche presque ici, vous voyez. On va dire qu'il y a un point là. Ici, grosso modo. Et ici aussi. Alors, il y en a qui m'ont dit que ça pouvait pas coter négatif. Ce qui est vrai. Mais je n'ai jamais parlé de cotation négative d'un côté. Regardez, on va se mettre là. On va bien pointer le trait comme il faut. Ouais, ça va. On peut le mettre plus bas. Je crois que plus bas, c'est négatif. Vraiment rester dans le positif. Voilà. Donc on est plus proche du zéro que du point haut. Ouais, 0,26. Là, on a eu un pic à 60 centimes. On va prolonger le trait pour voir le countdown. Combien c'est quand que cet actif va mourir? Ah, ça va pas passer le mois, apparemment. On se fie à la technique. Après, on sait pas dans l'équipe. Il y a Mister X, c'est vrai qu'il y a Mister X. On sait pas trop ce que c'est. Peut-être la bonne nouvelle de l'année. Personne ne lui en parler, juste pour pas péter le projet. Hein. Je pense que les cafards vont faire leur travail, hein, s'ils savaient ce que c'était. Vous voyez un petit triangle ici. Est-ce que ça va casser par le haut? Du coup, un gros pump, une petite sortie positive. Ou alors, si ça dégringole, on va perdre encore un niveau. Et vous voyez le support. Alors, je suis toujours en délit. On est bon. On est. Ah oui, le point bas historique sur Probit, ça a l'air d'être là. Et on est proche. Hein. Et au vu, il faut voir la liquidité. C'est vrai que j'oublie toujours de parler de la liquidité. Si on regarde ici. 5 millions de. Non, 5 millions, c'est 5 000. Avec 5 000, on le descend à 24 dollars. Mais le problème, c'est que. Le gros problème, c'est qu'on ne voit pas le carnet d'or jusqu'à zéro.
On le voyait sur Buybox, mais ici on l'a pas. Ouais, c'est bizarre. Sinon, si vous le montez à 29, à 29 $, il faut mettre 4 000 zines. Oh, c'est pas énorme. Près de 1 000 balles. Vous pouvez faire l'effort. Bon. Ok. Voilà, on délie ce que ça donne, une vision globale. Sur un an, c'est toujours bien de le voir comme ça sur le long terme. Regardez, mais il était trop. C'était trop. Regardez ça. On peut même faire une autre droite de tendance, une autre trendline. Ah, celle-là, par contre. Oh, vous voyez, ça donne autre chose. Mais toujours vers le bas. Hein. Je vous rassure pas. Il y en a qui vont pas être trop rassurés par l'analyse, mais c'est mon chaté. C'est pas fameux. Alors, on va voir sur V2X. On s'était dit, bon, on va quand même analyser sur l'autre exchange. Regardez-moi ça, 26 $. Pareil. Bon, ça va au moins la cotation se coordonne. Donc apparemment, ils ont corrigé quelques bugs. J'ai un petit doute là-dessus. Déjà, le truc des couleurs, le truc trop facile à faire. Je peux le faire en 2-2 si vous voulez. Je peux me pencher un peu sur votre code. C'est la base, quoi. Bon, allez. Attendez, mais je crois. Je vais mettre en journalier aussi. Alors, est-ce qu'on peut le mettre en journalier déjà? C'est le premier point galère. Ah si, c'est là. C'est là, 1 h, 6 h. Ok, on est comme ça. Waouh. Alors ici, ça code depuis le 1er septembre, apparemment. Pour vraiment montrer qu'il a pumpé de manière historique. On était combien? 28, ça. On est en dessous du cours, on va dire, entre guillemets, d'introduction sur V2X, puisque la cotation réelle. Alors, je ne sais plus la date. Ah oui, ça devait être le 7, le 17. Je ne sais plus s'ils avaient commencé par le 17. On est au même niveau. Ils ont montré que ça pump. 38. Ah, ça, c'est des cours qu'on reverra plus. Il y en a qui me partent de 1 $. Je sais pas à quoi ils rêvent, mais bon. Déjà qu'on revienne aux 50, ça serait bien. Regardez, voilà, une petite consolidation. Alors, est-ce qu'on peut dessiner là-dessus? Si on a des volumes. Hein. Ah, c'est quoi ces volumes? Attendez, je suis en journalier. Volume. Attendez, mais je rêve ou quoi? 2000. Ils n'ont même pas su créer du volume sur leur propre exchange. Ils vont avoir la liquidité, du coup. La liquidité. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Déjà, il y a un petit souci. Il n'y a pas le cumulatif, il me semble. Peut-être. Peut-être que je m'avance parce que regardez. Le total. Ils n'arrivent pas à calculer un total. Regardez, ici on est à 4, on devrait être au-dessus de 4, on est à 1,2. C'est pas ça à côté. Vous voyez, là, vous faites 11 plus 11, ça fait 23. Après 23 plus 34. Est-ce que c'est bien ça? Ah non, 11 plus 23, ça fait 34. 34 plus 133, 168. Est-ce qu'on a les mêmes règles ici? 1 plus. 1, 6 plus 4, ça doit faire 2. Ah, attends, mais même ça, c'est bidouillé, mais c'est désespérant leur truc. Il n'y a rien qui marche. Ça correspond à quoi le total ici? Et même, on devrait faire la même chose ici aussi. Il n'y a rien qui va. Ah, je sais pas quel bug. Moi, je voudrais bien voir leur bug tracker juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont corrigé, parce que là, ils n'ont rien foutu. 5 actifs. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah non, mais c'est bon. Bon, on fera un point la semaine prochaine, mais là, vous voyez. Je sais pas, il n'y a pas forcé pour trouver des bugs. Hein. Et encore, j'ai pas tradé. Vous imaginez? Il y a du gros slippage lorsque je passe un ordre. Il n'y a pas de volume. 2K, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, c'est peut-être, on va se dire, c'est le matin et tout. Il n'y a personne qui est réveillé. On va regarder au 4 octobre. On passe du 4. Ah oui, en plus, là aussi, c'est encore bugué. Non, ça va. Ça va. Je me suis dit. Au moins, ils ont corrigé. Apparemment, ils ont corrigé le bug des. Alors, 1 h. One day. Alors, on va remettre un one day. Vous voyez en haut? Ah, si, à 16K. J'ai rien dit. J'étais en mauvaise échelle. 5K, 16K. 16K. Est-ce que c'est beaucoup, 16K? À côté, on a combien?
On est à 100K, non? J'ai plus l'ordre de grandeur. On est à 100K. D'accord, on a 10 fois moins de volume en gros. Sur Vettio X. Ça n'inspire pas confiance. Ouh là là, attendez, attendez. On va faire un plan quand même rigoureux. Tu dis, alors on va faire un truc à la va-vite. Mais là, ça vaut le coup qu'on se penche un peu sur le truc. On est en one day. Vous voyez, 6K. Et ça te réveille. Hier, on était à 16K, 12K. Et c'est ça les graphiques. Voilà, le graphique des volumes, il est en bas. Oh, là, je parle et le truc, il part en bas. Alors ici, on a eu des gros volumes, apparemment 20K. Ok, vous voyez. Attends. Alors, est-ce qu'on peut dessiner? Est-ce qu'on a le temps de dessiner ou est-ce qu'on est sur la fin? Oh, mais sur... Ah, oui, là, la fin complètement entamée. Bon, bah, encore une gestion calamiteuse d'Excel. Hein. Je dirais que les trucs les plus basiques ne sont pas là. Je vais essayer de voir ce qu'ils ont corrigé, si on peut trouver un endroit. À mon avis, ils n'ont rien foutu. Enfin, bref, on est à 26. Et c'est pas prêt de remonter. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchou-tchou.